La nouvelle est tombée lors d'une réunion du comité d'entreprise. Ford annonce la fermeture de l'usine de Blanquefort, une annonce qui intervient seulement 2 semaines après la fin de l'accord qui liait Ford et les pouvoirs publics. Il y a un plan social qui s'annonce ici. C'est ça, tout à fait. J'ai mon père qui a ouvert cette usine. Je ne voudrais pas de moi, son fils, la fermer. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est quoi la bataille qu'on mène, là ? On peut très bien, aujourd'hui, penser qu'il y a plus rien à faire. Moi, je défends la première option, celle qui continue de se battre. Ils ont été secoués, les gars, ou non ? Bah non, pas plus que ça. Il y a une petite haie d'honneur. Colère ! Ne vous résignez pas, battez-vous, parce qu'ils ont peur de vous, croyez-le ! On peut pas prendre de décision comme ça, donc il faut qu'on se consulte entre nous, mais j'y crois pas beaucoup. On ne veut plus de syndicats, on veut être libre, personne ne va nous commander, va dire ce qu'on doit faire. Comment tu veux faire payer à Ford ce qu'il ne paye pas aujourd'hui ? Est-ce que bloquer les portillons à partir de demain, c'est une bonne idée ? Les gens veulent pas perdre d'argent. Alors comment on fait sans perdre d'argent ? Je suis en train d'écrire à Nono. Bonjour monsieur le maire. Oh non, Bruno, je vais mettre. Je dis pas monsieur le ministre. Hein. Non, il te dit Poutou et tout. Hein. Ouais. Nous sommes disponibles pour en parler au téléphone si vous en êtes d'accord. Philippe Poutou, celui qui aurait pu être votre président. Voilà. Et cette colère, ça sera ça, juste un feu. Parce que ce qui nous arrive, c'est pourri, c'est profondément injuste. Et on veut le dire comme ça. Il n'y a plus rien à perdre.